Monsieur le Président, il y a aujourd'hui beaucoup de consensus, je dirais, pour dire qu'il faut une gouvernance économique forte dans l'Union européenne. C'est déjà un énorme changement depuis les dernières années. Dimanche dernier, Monsieur Schäuble a dit qu'il était, dans ce cadre-là, favorable à un fonds monétaire européen. Mais aussi, il y a d'autres propositions et options, comme par exemple la création d'une agence européenne pour la dette, des euro-obligations ou encore une agence de notation européenne. Alors, selon un porte-parole de la Commission, Monsieur Barroso, les choses sont en train de bouger rapidement pour le moment. Alors, j'ai trois questions très concrètes. D'abord, est-il vrai que la Commission est en train de travailler sur une proposition pour créer ce Fonds monétaire européen? Deuxièmement, est-il vrai, comme Mme Merkel le dit, moi j'ai des doutes là-dessus, j'ai des doutes, qu'il est nécessaire de changer le traité pour cela? Et troisièmement, êtes-vous aussi d'accord que ce fonds ne pourrait être qu'un premier pas vers une vraie trésorerie européenne dont on a besoin avec l'Union économique et monétaire?